Bon, nous t'as capable de dire ligne a commencé à bouger sérieusement. Lundi, ligne a commencé à bouger. Actuellement là, les États-Unis ont une série de mesures qui prend là ben, pour aider. Bon, ok, bon dit pour aider. Ok, pour aider eh ben faire face à phénomène banditisme là. OK, après ambassade américaine yo fin sorti un autre côté ou dit mardi 2 novembre 2021 gain possibilité pour que bandi qui yo même regroupé dans Genève en famille et alliés eh ben yo te gain possibilité pour que mardi 2 novembre là pour yo prendre la rue et ben aller faire exaction non série de business à l'écraser des issues faire scène de pillage à attaquer caillon série mob dans gouvernement si n'a quoi ça ambassade américaine lui-même li mettait dehors parce que yo fait connait selon renseignement yo gain selon des informations sûres claires ou claires yo gain et ben yo dit et ben bon série de bandits qui regroupé au nom G9 et font en famille et alliés. Yo a préparé pour yo sorti mardi 2 novembre. Ça, c'est déclaration. On dit ambassade là, les mêmes li fait. Et ça fait, on te demandé au sorti ça pour prendre pile précaution. Moun et on dit, et américain qui a vivre sous sol là, yo mandé pour prendre en pile précaution. Mais, ça fait me demander, ou bien ça fait me dire, est-ce que l'igno s'est bougé à bouger ou bien l'igno commence à bouger? C'est parce que les États-Unis, yo saute prend. Yon initiative ou bien yon saute faire yon action là qui capable montrer certainement gen yon rale souffle qui capable bay nan zafè banditisme en Haïti. Actuellement là les États-Unis li annoncé li mette men nan pat kasav 3 individus, 3 américains, 3 citoyens américains. Donc c'est aux États-Unis même yon arrêté yon. Eh ben 3 citoyens sa yon, c'est yon même qui ta principaux moun qui a fourni gang 400 marozo à zam, ça veut dire, eh ben, l'homme sans jour qui toujours a recevoir zam, eh ben, c'est citoyen ça, qui basé au la Floride, ça veut dire, non, que États-Unis même, eh ben, c'est yo même qui t'a abaye l'homme sans jour avec, on sait l'autre groupe gang dans pays à zam, eh ben, États-Unis li mette men en pat kasab citoyen ça yo, et actuellement là, citoyen ça yo même, yo en bas griffe autorité américaine, yo, mesdames, messieurs, ça veut dire, ça t'a capable, yon mesure qui t'a ka ride nous aller yon ouf par rapport à pied ça qui soukou nous matin, midi, soir, kote que, nega examap théorise nous actuellement là, nan martisan ben, les bandits ont repris du service, yon recommencé pété coup de balle entre yon, malgré nous songe, yon te prenons trêve par rapport avec tremblement de terre qui te passé, ben, monsieur là, yon juste décidé reprendre service, parce que yon pa gen moun qui vous pose yon question, d'ailleurs yon senti vraiment yon gen munition, pa oublier si après 3 mois yon ta pété balle entre eux après 3 mois, ils ont décidé de faire camper. Et bien actuellement, ils ont rebalancé et ceci, ils ont rebalancé pour de bon et déjà un paquet de victimes. Donc, cause zam nan, mesdames, messieurs, li a fait un pile mal dans la République là. Cause zam nan, c'est pas de tort la cause à une série de moun actuellement là parce que guerre qui éclate, soit nèg G9 qui gen gros zam nan men yo, soit une série de l'autre groupe qui a pris naissance parce que actuellement là dans capitale là selon Youri la tortue, il y a plus passé 50 groupes gang qui prend naissance. Ça veut dire chaque groupe gang ça yo, faut que yo gen zam nan men yo pour fonctionner. Faut que yo gen zam, faut que chef la gen bon matériel nan men. Faut que li gen tout pour li bail une série de soldats li gen et y a faire recrutement. Pour faire recrutement, faut que yo gen zam pour yo bail bandi. Donc côté zam ça ressorti. Ça veut dire zam nan vraiment pas capable une source. Et source là, vrai pas ka l'autre mes amis, nous connaît États-Unis, c'est un nan pays qui c'est plus gros source côté que qui a fourni zam nan pays d'Haïti et nous tout nous wè conséquent zam nan qui s'allier eh ben ben nan adage kote ke couleuvre la li mode propre ke li nous wè eh ben bandi yo même yo kidnappé on série de ressortissants parmi yo 16 américains et c'est cause zam nan directement qui fait. Donc États-Unis li montre la souke ko li montre pou kounya la li ap travail parce que li prend coup yo di je prend coup ne kouri de l'eau. Ou encore non, c'est ne prend coup, je couri de l'eau. Yon dit ne prend coup, je couri de l'eau. Eh ben, Américain, yon frappe très fort par rapport à Zak kidnapping ça parce que jusqu'à aujourd'hui là, ou pas de aucune nouvelle qui liée à un éventuel liberté ou encore yon éventuel, eh ben, côté que Américain actuellement là ou pas attendre un yen qui a dit quant à ça qui t'a gagné à ouais à yon éventuelle libération de otage, ça veut dire que otage même yon toujours en bas griffe
bandits. Donc, question ZAM, nan, mesdames, messieurs, si toutefois, il n'y a rien qui fait, si toutefois, il y a un souk quoi qui fait, eh ben, nous capables de pays, certainement, li devenu un pays tant que Somalie, eh ben, peut-être c'est plein de ça pour somaliser pays, parce que, quoi c'est ZAM, nan, mesdames, messieurs, ZAM pas d'entrer en bas, BAP américain là, pour le contrôle ZAM qui entrer là, pour lui pas faire rien. Parce que, m'bazou, chaque fois qu'on ZAM sorti États-Unis, il est venu en Haïti, c'est l'argent qui rentre aux États-Unis, m'bazou, tu comprends ça? C'est Américain qui fait comme, c'est pas vous-même, parce que le commerce des armes aux États-Unis, le commerce d'armes aux États-Unis, on dit c'est une pratique côté que son bagage illégal. C'est même jour quand t'es dans boutique, quoi, ton micro, ou t'es dans boutique, quoi, ton téléphone, ok? Et mais c'est presque comme ça les États-Unis, ça veut dire ou légal pour acheter ton arme, ou même qui besoin, ou besoin de gagner un arme dans mon facilement capable d'acheter juste aller gagner quoi bon dans mon là, etc. Et puis y a vendre nos armes. Eh ben ça veut dire chaque fois un arme acheté aux États-Unis, c'est l'argent payé à lui-même lui faire. Ça veut dire y a gagné intérêt dans votre arme non, donc y a pas d'argent stopper pas d'abjam bloqué vannan parce que commerce zam nan li rapporte gros et li rapporte gros vraiment aux États-Unis parce que l'op gade si monsieur kap défilé en série de zam nan meyo l'op gade barbecue kon gon série de manche nan mel et ces zam gen policier jou ki yo mouri yo pa jam manyen lo si yo pa rentre nan groupe gang et yo ka nan groupe gang nan groupe gang nan yo pa ka manyen zam nan parce que gen on sait deux âmes c'est chef là ou c'est en tête là c'est les mêmes qui pour posséder par contre vous comprenez c'est eux mêmes qui pour posséder ça veut dire n'a dit que si toutefois pas gain on parle de méchanceté bon côté américain on garantit nous Jean bagaille là la Jean situation envenimeuse là dans pays là côté que tout le monde s'est couru à courir en train de bande par rapport avec on série de bandits qui a terrorisé population c'est eux mêmes qui fait la loi c'est eux mêmes qui décide la vie ou la mort moun. Ok, c'est eux-mêmes qui décident qui est-ce qui doit vivre, qui est-ce qui doit mourir. Eh ben, c'est pas l'autre bagaille, c'est tellement négo senti, grenio plein mais tellement au senti, manche long yo gen nan men yo a, eh ben, yo c'est papa bon Dieu, yo papa pepa, donc yo tué, yo raché, yo fait ça yo vle. Bagay ça vient transformer pays en république cannibale. Regardez sur réseau social côté a montre en vidéo côté que on est mangé cadavre l'autre, yo fin boule soi-disant son voler moto. OK, soit disant son nèg qui konn a volé moto, eh ben yo boule yo a regarder population qui a bat bravo qui a fait vidéo nèg la k'ap rache pour l'autre la k'ap manger. Ça veut dire nous arrivons, nous vraiment arrivons dans dernier bout, nous vraiment dans pays là. Ou senti question moun nan, mais de temps à autre écarté n'a écarté nous encore plus de lui-même tellement causé zam nan, le nèg la gen zam nan nan mel, il senti le chef, il senti le maître seigneur, li pa peur pepa mesdames messieurs. Donc si gagné on souke kon sérieux qui a fait bon côté américain yo si certainement États-Unis décide ce que quoi vrai pour li capable aider nous raler yon souffle dans affaire zam nan ben c'est un gros service li t'a prendre nous malgré nous connaît li pa jam aller en amont li pa jam prendre situation ça à la source parce que source là c'est lui même lié et li pa jam couper source li source cap balia eh ben li pa jam couper mais si de temps à autre li couper un petit bout li couper un petit bout eh ben nous même dans pays n'a privé raler yon ouf mesdames messieurs donc si l'on sans jour pas joindre source qui pour balzam m garantis nous eh ben niveau banditisme li a Jean y a théorisé population y a réfléchi 50,000 fois et parce que zam nan le nan mais depuis le pagin bal, eh ben qui s'aligne, li vin service, c'est comme si son wash lié, eh ben li pas presque utile à en yen, mesdames, messieurs. Donc, nous dit, Américain, yo mette men nan pat kasav, trois citoyens, et c'est eux même qui t'a ap founi l'amour sans jour, zam, nan kwa de bouquet, et c'est ça qui t'a la cause, monsieur sa yo même, yo sou pinga yo comme ça, c'est ça qui t'a la cause, monsieur sa yo, eh ben, yo genye gros manche nan men yo, mis à part de République Dominicaine, li même tout, qui a fait commerce en échange zam, ensemble avec denrée, avec population, hein, avec an di population dans plusieurs provinces, République Dominicaine, li même a founi zam, eh ben, bon, paquet de pays qui a founi zam, parce que m'di m'sa déjà gen gros intérêt dans bagay ça. Gè gros intérêt, gè paquet intérêt caché, gè série de bagay yo pap jam di nou nan la République, gè série de bagay yo pap jam mette yo dehors des raisons cachées qui capable faire zam ap ple de rentrer dans pays a, qui capable faire phénomène insécurité a, la toujours été stable dans pays a la pour pas jam gen une vraie stabilité parce que lè gen stabilité dans pays a, gè paquet moun li pa fait bien, gè pays étranger tout stabilité a pas fait au bien, donc ça fait toujours créer un climat, y a toujours font façon pour que nous toujours style rete là, nous toujours à cocobé en bas, insécurité en bas, bandit, grand chemin, mesdames, messieurs.
comme nous dit, donc puisque trois moun sa yo, trois fournisseurs sa yo, yo même, yo en bacode, eh ben Napton pour américain lui-même, li mette menan pa ka sav plus moun toujours parce que c'est pas seulement trois moun sa yo qui a vendre zam dans tout pays parce que trois moun sa yo pa ta ka bay tout groupe gang sa yo et nous dit c'est environ 50 groupes gang selon Yuri la Tortue, selon un série de l'autre expert fait qu'on est qui déjà prend naissance dans pays ça veut dire groupe gang yo y a calé tant coup jonjon pendant la police lui-même l'a bêtisé, et ben bandi ou même y a réfléchi, c'est groupe gang qui a formé, et ben groupe gang nous connaît Guillaume qui bat tête, ils ont 50 malfaiteurs, ça veut dire qu'il y a 50 nègres qui la donne, et nègres ça aussi des nègres qui armés jusqu'aux dents. Donc chaque groupe gang qui formé, il faut qu'il y ait une quantité d'armes et munitions pour yo bay soldat yo, ça veut dire yo pas capable une source et me garantir source là c'est pas en Haïti lié, parce que ici en Haïti on te connait faire armes créoles dans un temps nous songeait ça. Mais ça n'a pas gardé là, on garantit, c'est pas zam créole yo, parce que zam créole là, le bon jeune fait nous tout nous te connouel et en pile fois c'est un grain balle seulement te tirer, mais le n'a pas gardé une série de matériel tout neuf, bagaille sophistiqué qui dans mes bandits yo, et ben nous pas qu'à dire l'autre bagaille que c'est un autre pays qui a fourni et États-Unis rete yon nan pi gros fournisseur zam en Haïti et à travers le monde, et ben États-Unis lui-même li décide di, et ben la fait une façon pour lui river freiner phénomène ça à côté lui déjà annoncé lui mettait main dans pas de cassave un individu qui lui-même tape fait commerce zam pa yon, mais plutôt trois individus qui t'a fait commerce zam dans pays a c'est eux même qui t'a fourni 400 maozo ensemble avec un série l'autre groupe gang dans pays a zam et ben États-Unis lui-même lui mettait main dans pas de cassave moun sa yo. Donc ça le dit plus ou moins nous capables de commencer l'aller yon ouf. Mais en attendant, pas oublier, nous pouvons avoir des nouvelles de étrangers pour nous connaître exactement la situation qui s'allie. Est-ce que étrangers ont lagué, c'est dit ou pas dit ici ça? Est-ce que gouvernement lui-même li bay kob la parce que l'ambassade en jour te exige 17 millions de dollars jusqu'à présent nous pas connaît. Est-ce que l'agence lui-même li bay ou bien est-ce que l'agence lui-même qui ça li fait? Est-ce que l'agence li adjoint monsieur ou bien est-ce que parce que Amérique clair sous ça li dit pas bay kob mais nous connaît yo capable faire gros pression sur gouvernement pour forcer yo bay 17 millions de dollars ça. Est-ce que comme ça bay nous pas connaît n'a suivre pour nous comment situation lui-même li a bougé? Est-ce que normalement a gagné yon changement dans situation ça? Merci beaucoup coucou à tout le monde qui tape côté nous pas très long jeudi à donc nous t'es content informer vous parce que vous connaissez chaque ça qui vient nous obliger venir nous obliger mettez vous au courant de lui nous obliger faire ou part de tout ça qui a passé et nous connaissez ou toujours faire nous confiance pour nous informer ou un ben a toujours rend nous réciprocité pour nous informer ou et bah ou des informations très 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 sûres, des informations claires coup de coq mesdames messieurs bye bye tout le monde n'a croisé demain pour une autre vidéo.